ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Ici, rugissement. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt, il a désiré la merde, et pour cela, sacrifié le sang. Viande, là où il n'y avait que du sang et de la fête.